Goddag, mijn naam is William. Ik spreek een beetje Nederlands. C'était une petite démo de la langue flamande. C'est beau, hein? Tu sais au moins que je suis belge. Quoi, t'es belge et tu nous l'as jamais dit? Je vous l'ai dit déjà depuis le début de ma chaîne. Bonjour, je suis un nouveau youtubeur belge. Bon, on est d'accord que ma voix a un petit peu changé, tu vois. Vu que je suis belge, il y a des trucs qui me rendent malade. Quand on parle de la Belgique, on pense tous qu'on parle comme ça, quoi. Alors moi, je parle pas comme ça, tu vois. Alors moi, je viens pas de la Wallonie. Ah, moi je viens de Bruxelles, Bruxelles capitale qui est quand même le centre de l'Europe, tu vois. Bon d'accord, vous pouvez croire qu'on parle tous comme ça à cause d'une seule chose. Quand on voit un Belge au journal télévisé, ils parlent tous comme ça, mais tous. En fin de journée, ben, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Après, il faut pas s'étonner, quoi, ils choisissent les mauvaises personnes. On mange comme tout le monde. Ok, on mange pas des frites matin, midi, soir, hein. Ah non, jamais. On n'est pas des beaufs, hein, ça. Bon, c'est vrai que nos deux monuments principaux, c'est quand même Mannequin Pisse qui a un garçon qui pisse. Et la Tony Hawk qui est quand même des boules, quoi. Comme je l'ai dit avant, on est quand même la capitale de l'Europe, tu te rends compte, hein. Bon, c'est vrai que notre premier ministre, je crois que c'est pas le mec qui sait le mieux parler flamand, hein. Thank you for the invitation. Yeah, we have the situation under control. A few terrorists were planning an attack. The Belgian security services have very good worked together. Quand on pense au physique des gens belges, on pense tous qu'on est blond. Mais est-ce que tu m'as vu? Est-ce que je suis blond? Non, hein, voilà. On arrive quand même à voir les Diables Rouges, notre équipe nationale première de la FIFA. Ils savent même pas comment ils ont fait. Moi non plus, je comprends toujours pas. On a quand même David Goffin, notre joueur de tennis professionnel qu'on adore tous, qui est quand même 10e mondial, hein. On a eu Kim Clijsters. On a eu d'autres joueuses de tennis méga connues belges. On a Nafissa Toutiam, j'espère que je dis bien, qui a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques 2016 de Rio. On a Eddy Merckx. Je me suis toujours posé une question, parce que ça m'énerve, ça me rend fou. Les frites, c'est quand même belge. Dites-moi dans les commentaires, je vais faire un sondage, on va voir ensemble si les frites, c'est français ou belge, hein. Oui, d'accord. D'accord. Tu te demandes ce que je fais? Je ne sais pas non plus, mais Adolf Sax, c'est qui? Adolf Sax, c'est celui qui a créé le saxophone. Et belge. Les spéculoos, les gaufres, c'est trop bon! Bref, la Belgique, ça restera toute ma vie, mon pays à moi. Ah oui, j'ai un petit truc à vous dire. Alors, comme vous savez peut-être, c'est les grandes vacances. Oui, qui dit grandes vacances dit plus de vidéos. Soyez présents sur ma chaîne, ça va péter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi. Mon gars, t'as oublié de parler de Stromae dans ta vidéo. Merde! Attends, ne pars surtout pas, j'ai oublié quelques trucs. La vidéo que tu viens de voir, j'ai tourné il y a plus ou moins une semaine. Là on est lundi 3 juillet, pour me rattraper, continue quoi. Évidemment j'ai pas parlé de Stromae, connu mondialement. Stromae qui arrive quand même à avoir 500 millions de vues sur YouTube, qui est vraiment bien, c'est formidable. Évidemment j'ai parlé de Kim Clijsters. Mais j'ai pas parlé de Justine Hénin. J'ai non plus parlé de Jacques Brel. Bah ouais. C'était un temps où Bruxelles rêvait. C'était un temps du cinéma muet. Évidemment, je vous ai pas parlé de François Lambrouille. Parce que je suis vraiment nul. C'est le mec qui a commencé avec les pranks. C'est lui en fait, le papa. Je ne vous ai pas parlé de Benoît Poulvorde, qui est un très bon acteur. Bon, ben je crois que j'ai fait le tour des popularités belges. Il y en a encore plein d'autres, mais je ne peux pas tous les citer tellement on en a beaucoup. Je vous dis à bientôt. Soyez présents sur ma chaîne, il y aura beaucoup de vidéos. Et surtout, abonne-toi, hein. Ah oui, d'ailleurs, un petit bouton à côté de s'abonner pour savoir quand je sors une vidéo. Tu auras une petite notification. Et tu sauras direct quand j'aurai sorti une vidéo. Au revoir.